va s'arrêter pendant un bien. Il était chaud. Passe, passe. Putain, pas beau. Oh putain.
Oh la chagat. Ma champagne, il y en a pas. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? Donc avec nous Max, la sortie de la défaite 3 buts à 1 à domicile face à Grand-Villard. Donc une première mi-temps où c'est qu'on a été inexistant. Seconde période où c'est qu'on rentre bien dans la seconde période, on réduit le score. Et puis au moment où on est bien, on finit par prendre le deuxième. Ouais c'est ça, on fait une première mi-temps, on était aux abonnés absents. On était loin des duels, on était un peu spectateurs dans l'entrejeu. Après on est puni sur un but un peu bête. Un long ballon par-dessus la défense, il gagne son duel, bon c'est comme ça. La deuxième mi-temps, les intentions étaient nettement meilleures. Il nous a manqué un peu de réussite parce que les occasions, on les a. Par contre, ce qui me dérange, c'est que le 2-1, il y a un hors-jeu flagrant. L'arbitre de touche me dit que non, mais je pense que toutes les personnes autour du stade l'ont vu. N'importe où on était, c'était flagrant. Mais c'est comme ça. Après un pénalty dans les arrêts de jeu, bon, c'est pas bien grave. Mais c'est surtout à l'envie que ça s'est joué. On a vu une équipe de Grand-Villard qui avait plus envie que nous, tout simplement, qui est venue chercher des points et qui repart avec des points mérités par rapport à l'envie et pas par le contenu, quoi. Ok. Maintenant, effectif, donc des blessures, aujourd'hui encore un carton rouge, donc maintenant il va falloir gérer avec tout ça. On avait dit qu'on verrait notre force dans les temps faibles, là on y est, on verra comment on réagit après deux défaites d'affilée. Est-ce que la coupe veut nous faire du bien? On verra bien, ce sera l'énigme de la semaine prochaine. Maintenant les blessés, les suspendus, ça arrive, c'est aux autres de saisir leur chance. Ok, merci Max.